tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne Deadwalker, c'est Yajin qui vous parle et je suis particulièrement content de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous pour la simple et bonne raison que nous allons parler d'un nouveau entre guillemets MMORPG. J'aime bien tout ce style de jeu MMORPG. Même si je les ai pas tous faits, je n'ai honte à moi commencé qu'avec World of Warcraft il y a de ça bien longtemps quand World of Warcraft venait juste de sortir. Et Mike m'a proposé de commencer donc ce MMO Riders of Icarus qui a priori n'apporte pas forcément beaucoup de choses de nouvelles, ne renouvelle pas spécialement le genre. Mais tout simplement à quelques bonnes idées, notamment au niveau d'un gameplay consacré exclusivement aux montures. A priori, de ce que j'ai pu comprendre, vous voyez, j'ai pas encore de personnage, mais de ce que j'ai pu comprendre, chaque personnage peut dompter à peu près tout ce qui bouge devant lui sur la map. Donc si vous voulez dompter et puis vous amuser à aller et venir avec un sanglier, avec un lion peut-être, je sais pas trop ce qu'il y a, hein. Et ben vous pouvez dompter ces montures aussi bien terrestres donc que volantes, comme par exemple des dragons, etc., etc. Mais le petit plus qui va s'offrir à nous, justement au niveau de ces montures, c'est qu'il y aura un gameplay complètement, je dirais un peu renouvelé, même un gameplay au niveau des combats, c'est-à-dire que nous pourrons combattre à dos de montures, qu'elles soient terrestres ou volantes. Donc c'est quelque chose qui m'a plu, et un gameplay qui m'a fait penser que le jeu pourrait éventuellement, pourquoi pas, m'accrocher. Donc là, je vais faire une petite vidéo de présentation, assez rapide, hein, on va créer le personnage. Donc, nous allons prendre, parce que Mike, finalement, il s'est pris le jeu, et nous allons prendre donc le serveur, hein, Europe, le serveur de Koroshimo, qui est disponible. Et nous allons entrer sur ce serveur. Alors, on voit tout de suite que c'est un peu comme Terra. Hein, c'est un peu comme Terra au niveau des graphismes. C'est très beau, c'est très détaillé. Et c'est un style graphique vraiment, voilà, c'est style coréen quoi, hein. Alors attention avec les jeux dits coréens, normalement ils sont énormément basés sur le bashing de monstres, hein. C'est du farm et encore du farm. En théorie, hein, c'est là encore, c'est ma petite expérience qui veut ça. Maintenant, il y a sûrement des MMO coréens ou style coréen qui ne sont pas du tout comme ça. Mais bon, voilà, j'ai déjà un a priori là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, on va y aller. Alors, nous avons en premier personnage un berserker. D'accord, donc ils ont a priori classé les classes, ouais, ça paraît logique. Alors ils ont mis les classes selon la différentes catégories de difficultés. C'est-à-dire que si vous prenez un berserker, voilà, ce sera peut-être plus facile. Si vous prenez un gardien, ce sera en difficulté normale. Un assassin, difficulté difficile, donc à savoir que Mike a pris un assassin. Le prêtre, ce sera difficile. Et le sorcier, très difficile. Le sorcier qui a quand même un peu la classe.
Le prêtre aussi. A savoir que dans les MMO, en théorie, je suis. J'aime bien jouer le rôle de healer. Donc en théorie, là, de ce que je peux voir, je serais sûrement un prêtre. Le berserk. Le berserk. Des coups puissants. Donc le berserk, je vois bien le bon gros bourrin avec un DPS énorme et une grosse armure a priori. Le gardien de le berserk qui peut, je pense, éventuellement faire un bon off-tank. Le gardien qui se tienne en première ligne avec un bouclier. Pour se battre bien longtemps après que les autres soient tombés au combat. Voilà, donc lui c'est. Voilà, je pense que c'est la classe tank à proprement parler. Voilà, c'est le tank du groupe. Assassin. Donc je suppose que ce petit bonhomme va avoir des skills de malade. Je pense. Attaque rapide, action d'esquive. Donc je pense que ça va être un DPS mono cible, hein, comme un peu tous les assassins ou entre guillemets voleurs d'un peu n'importe quel jeu. Référence à WoW forcément. Voilà, plus peut-être DPS mono cible. Le Berserk peut-être DPS, mais peut-être lui peut-être un peu plus multi-cible, à voir. Faut voir. Le prêtre, bon bah. Hein. Donc pour le soin, forcément. Je suppose aussi pour les buffs. Ah, les plus évolués sont même connus pour manipuler l'esprit des créatures maléfiques, les pliant à leur volonté. Donc c'est sympa. Donc manier la puissance de la lumière pour protéger les alliés, frapper les ennemis. Ok, donc c'est un peu un prêtre démoniste, hein, puisqu'a priori il peut manipuler ou en tout cas il peut prendre possession de l'esprit de créatures maléfiques. Donc voilà, pour peut-être avoir une petite relation entre différents MMO. Voilà, c'est peut-être un prêtre, mais matinée avec un peu de démonisme peut-être pour. Voilà, avoir in-game bien entendu. Un large éventail de sorts de soins et d'amélioration. Donc voilà, un sort de soins et buff. Le sorcier. Voilà, destruction massive dans de larges zones de combat. Donc c'est vraiment, je pense, c'est vraiment le DPS. Multi-cible avec des grosses zones avec des grosses zones d'effet donc DPS multi-cible hein, des bonnes grosses AOE du jeu. Sort d'attaque puissant utilisant les éléments accumulant des combos magiques. Il a besoin d'une organisation minutieuse pour survivre. Voilà, en plus oui il y a un système de combos également dans ce jeu. A priori, assez important. Voilà, tout ce que je peux dire. Un homme, mais on peut aussi également être une femme. D'accord. Donc oui, c'est purement style coréen, avec tous les défauts que cela peut comporter. C'est-à-dire que je pense très sincèrement, hein, dans ce style de MMO coréen, donc. Je pense très sincèrement que sur les personnages féminins, je pense que les flèches et les coups d'épée sont attirés par l'entrejambe et par les boobs. Hein, on va pas se cacher. parce qu'elles n'ont d'armure que là, réellement. Hein, donc je pense que les flèches sont toutes attirées vers là.
Ce qui fait que toutes les autres parties du corps ne sont que très peu cachées. Hein? Ça, là, autant le personnage masculin, lui, c'est la grosse armure qui cache tout. Personnage féminin, c'est le bikini. Donc c'est un peu absurde, mais c'est comme ça, faut s'y faire. Voyons le gardien. Ah bah voilà, c'est de pire en pire. Le gardien qui doit être le tank du groupe, hein, bah, il a encore moins d'armure sur lui. L'assassin. C'est un peu plus correct. Voilà, il y a un léger décolleté, mais ça va, elle est couverte. La prêtresse. C'est limite une idole japonaise. Voilà. Et le sorcier. Ah bah la sorcière, voilà. Elle est prête pour une nuit torride avec son amant. Quant à se battre, je sais pas. Mais bon, c'est voilà, c'est le style coréen. Voilà, les personnages féminins ont de gros atouts, très peu cachés. On va faire un petit prêtre. Je suis le healer. Donc on va faire un prêtre. Voilà. Je sais pas si ça fait un excellent combo avec Mike qui sera assassin. Donc en théorie avec une armure de cuir. Première vue. Je sais pas si ça fera un très bon combo pardon, de tout ça. Mais on verra bien. Eh bien le prêtre. Créons le prêtre. Hop là, bonjour mon ami prêtre. D'accord. Donc j'espère que je vais pas commencer le jeu comme ça. Je pense pas que je le commence comme ça, ni comme ça. Mais peut-être comme ça. Ouais. Alors, qu'a-t-on? Donc là, on a... une espèce de pré-réglage. On peut aussi régler la carrure. Personnage. Oh là, oui, d'accord. Oui, la carrure, la largeur d'épaule. Ah, c'est limite un enfant. C'est assez spécial. Oh là, grosse tête, lui. Réglage. Bon, on va prendre un visage. Ah oui, forcément. Voilà. Visage. Oui, on peut zoomer. Ça fait très angélique, très poupin, poupon, très jeune, tout ça. Oh, ils ont mis de la barbe. Mon Dieu. Serait-il que tu as plus de 18 ans? Toi, t'en as carrément 14. On peut faire des personnages un peu plus sérieux et un peu plus matures et âgés. Formidable. Voilà, même un teint un peu buriné. Oh là là, ce style. C'est affreux. Mon Dieu. On peut faire pas mal de choses quand même, a priori. Ah, ça fait sympa ça. Du coup, ça fait un peu grosse tête, mais ce visage-là est assez sympa. Alors, regardez ça. Cheveux. Voyons les coupes.
ça c'est la coupe hein, de tout bon jeu coréen avec une grosse coupe comme ça va être la coupe à la mode là-bas. Ouais, c'est des coupes assez basiques hein, qu'on retrouve un peu dans tous les jeux. Surtout celle-là. Ouais. Celle-là aussi. Ah, une coupe à la Norman Reedus comme ça, un peu. Ouh là là. Oui. Lui il sort directement de Prison Break. Ah, une petite coupe comme ça, une petite coupe à la Aragorn. Avec une couleur de cheveux. Je sais pas. Mon Dieu, je ne sais pas. Il y a des couleurs tellement. Tellement bizarres. Allez, il sera brun. Pilosité faciale, ben ça on l'a déjà. La carrure, oui, la carrure ça m'intéresse parce que là il a un peu grosse tête. Je suis Hulk. Tapez. Oh, pas exagéré quand même. Oh mon Dieu! J'ai une tête de mec de 35 ans sur un corps d'enfant de 12 ans. Bonjour! Ça fout les boules. Ça fait peur, honnêtement. Là. Là, 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 là. Comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Visage. Que peut-on faire en plus sur le visage? Voyons. Les cils. Ah, et ça, c'est très bien. L'ombre des yeux. Personnellement, je m'en bats les waps. Les yeux. Ah, on peut changer la forme de la pupille, dites donc. Pupille de chat. Sans pupille. Pupille un peu éclatée. Grosse pupille. Bien dilatée. Ben, je sais pas. Et comme j'ai des pouvoirs magiques, et ben, je vais mettre pas de pupille. Couleur du. Waouh! On peut pas faire rouge. Ah, ça fout les boules comme ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est génial comme ça. Belle grosse cataracte. Je sais pas ce qu'il peut voir. Allez, c'est pas grave, je prends comme ça. La bouche. Voilà, c'est pas ça qui change la vie. Alors vraiment pas. Allez, comme ça. Couleur des lèvres. Ça. Ça change pas ma vie non plus. Tatouage. Ça.
Ah, ça fait peur. Alors ça, à mon avis, c'est plus des tatouages pour les berserkers ou... Ah, quoique, ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal. Où ça? Ça fait assez classe, sans trop en faire. Et je suis empreint de magie blanche, donc du coup, mes yeux sont blancs. Avec les trucs là, c'est génial. Ouais, c'est génial, j'adore. Bouche, c'est fait. Barbe, ça me convient comme ça. Personnaliser, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut faire la tête. Ah bah c'est pas mal tout ça. Allez, adjugé vendu. Entrée un nom. Forcément, il s'appellera Yajin. Moi, il me plaît bien comme ça, Yajin. Personnalisé, carrure, visage. Aïe, 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 mâchoire, menton. Longueur du menton, pommette, joue. Non, comme ça me va. Comme ça me va. Peut-être le menton. 84. Plus harmonieux comme ça. Les pommettes 100. Sans rien exagérer. Le menton, la mâchoire 38. Un menton, longueur du menton 68. Voilà, joue moins 100. Oula, oui. Mâchoire. Ah, c'est pas mal ça. Joue. Je suis sûr. Et vous voyez, la personnalisation est quand même super poussée. Peut-être pas aussi poussée que dans les jeux vraiment les plus poussés du genre. Hein. J'en ai vu. Je sais plus dans quel jeu exactement, mais là c'est quand même relativement assez poussé. Et je suis sûr qu'on peut créer des acteurs ou des acteurs si on cherche bien. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de pas mal. Mais lui, il me plaît bien. Yajin. Vérifier si ça correspond. Ce nom est déjà utilisé. Ah, je ne crois pas. Eh bien, je serai Dwimorden. Dwimorden, c'est le nom. C'est le nom de mon elfe de la nuit. Lorsque je jouais à World of Warcraft. C'était le nom de... qu'est-ce que j'avais comme classe, moi? Oui, c'était un druide, bien sûr. C'était le nom de mon druide. Spéil, bien entendu. Dwimorden, vérifié. Nom disponible. C'est magnifique. Je regarde si c'est bien écrit. Oui. Bonjour à toi, Dwimorden. Comment vas-tu? A tout de suite pour la suite. Eh ouais mec. Eh ouais mec. Démarrer le jeu.
commandes, mode standard, MMORPG classique, sélectionner une cible avec le curseur et déclencher des compétences avec les touches de raccourci. D'accord, donc ça c'est basique. Mode action, mode ciblé sur l'action, viser la cible avec le réticule. Ça c'est mode Terra. Ok, ça c'est mode Terra. J'ai l'impression. Ouais. Donc ça c'est recommandé pour Berserk, Gardien et Assassin. Et ça c'est pour les classes de caster. Donc j'ai sélectionné le mode standard. Allez, je suis tout excité là. Pour moi, le fait de jouer à un MMO, de commencer surtout un nouveau MMO. Le fait de commencer un nouveau MMO, ça m'émeut. M'émeut. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Ah, déjà 29 minutes de vidéo, mon Dieu, pour une vidéo de présentation, c'est trop long. Petite cinématique avec un ami Corbeau. Oh! D'accord. Ça commence bien. Wake up. I'm getting you out of here. With any luck, they haven't moved the princess yet. Zoomer. Vers l'avant. Ou l'arrière. Se déplacer. Ok. Ok. Et l'autre, il a écarté les barreaux comme ça. C'est génial. F pour interagir avec les objets. Donc j'étais en prison. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne me plaît pas. Je vais donc reprendre mon arme. Je tiens mon arme prête. Ne t'inquiète pas. I'll get this gate open. See if you can break that lock. Voyons si vous pouvez briser ce verrou. Dwemerlain, commandant Crow, par ici. Je suis Rena, le chevalier royal. Standard mode, attaquer. Action mode. 1. Ah oui, d'accord, oui, non mais moi, au moment avec un clic, ça devrait le faire aussi. Un double clic, ça suffit. Yes, yes, yes. Oh, un ennemi. Allez. Bing. Allez donc, j'ai une boule de feu. Le feu autour de moi, je ne sais pas pourquoi. Je suppose que ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, ça marche. Attendez, j'ai cru qu'il y avait un coffre là-bas. Non, c'est pas un coffre, c'est une table. Oh, faut des... Tiens-toi. Ah, même petites boules, elles font mal. Là. Ah, d'accord, je viens de sacrifier un orbe. Ça. F. Ben voilà. Non,
nom de Zeus, ça arrive par derrière. Ah, il faut les faire aussi. Pas du tout ce que ça a fait, ça. Faudra que je regarde mes sorts un petit peu plus tard quand même, hein, parce que ça, c'est quoi, s'asseoir, se lever, d'accord. Très, très intéressant, très utile. Fait mal ça. Ah, j'ai l'impression que ça me bouffe un orbe quand même. Bing, voilà. Tortoise, just hold on. Where's the princess? Où est la princesse? I failed. Rondo took her. C'est une histoire de princesse. We were taking the princess. J'y crois pas. She was supposed to study Alora's relic to unlock its powers. The rain should have masked our tracks. Joli petit lot, la princesse. But the Frostguard knew exactly where we were. Et voilà donc les montures volantes. Ah, des Pégases, d'accord, aussi, des montures volantes aussi. Et les dragons ont l'air un peu plus mastoc. Ouch. Ouch. Et je suis où, moi? Parce que je me suis vu tout à l'heure sur un Pégase, mais... Ah, ah, ah. Ah oui, d'accord, oui. Eh oui, c'est plus la même, là, hein. This is the power you sold yourself for. Rondo, stay away from the princess. Stay down, Tortoise. Sans déconner, une princesse, les gars. Puis toi, t'as pas l'air d'un méchant du tout. Mais une princesse, quoi. Come, princess. Sauver une princesse. Je m'appelle pas Mario. I won't let you take her. Calme-toi, Luigi. Allez. Bon, bah, faut aller sauver la princesse Peach. Damn it. We need to get word to the king. Alors pourquoi je disais tout à l'heure que c'était un jeu, nouveau jeu, enfin c'est sorti en début d'année je crois. C'est un nouveau jeu, oui et non, tout simplement parce que c'est un jeu qui a déjà été, il a déjà eu deux ou trois refontes. Parce qu'il est déjà sorti deux, trois fois je crois,
Et les deux, trois fois, il n'avait pas marché. Du coup, les développeurs l'ont revu de fond en comble à chaque fois. Et du coup, voilà. Bah, t'as l'air très en colère, toi. Battez le gardien Rex. Soigner un copain, mais ça a marqué résiste, donc je crois qu'ils se débrouilleront très bien sans moi. Faut que je flingue la pierre si j'arrive à la... Ouch! Voilà. Marteau divin. Fait ça. Non, je peux pas avoir plus de 3 orbes. Tuer un monstre élite. C'était donc un monstre élite. Pas beaucoup de loot pour le moment, hein. Je sais bien que c'est le tuto, mais... Ah, je peux sauter aussi. C'est tout à fait logique, hein, mais bon. That was faster than I expected. Eh oui, la cavalerie. Crow est niveau 3. Le commandant de la compagnie Onyx, l'espèce de piaf, il est niveau 3. Vachement stylé pour un niveau 3. Tortus niveau 3 et elle est bien loin, niveau 3 aussi. Chevaucher le Pégase. Oui. Ok. Échapper de la prison. Ah, c'est génial. C'est stylé, c'est très stylé. Waouh, c'est beau. Appuyez sur espace pour prendre. Waouh. Ah. Ah ouais, c'est stylé, c'est super beau. Oh mais mon dieu, c'est l'entrée du Mordor. Attendez-moi les copains. Hop là. Ah ouais, c'est quand même super beau. Ok. Attends,
attention. Votre personnage est empêtré dans le paysage. En gros, vous avez un bug? Utilisez votre pierre de rappel pour vous dégager. Lol. Donc il y aura quand même des pierres de foyer, des pierres de rappel, un peu comme dans tous les MMO d'ailleurs. WoW en premier. Vous avez un bug parce qu'on a mal fait notre boulot? Utilise ta pierre de foyer. You're taking us over Bakar Forest? Yes, sir. It's not an official route, but it should save time. If we're lucky. Oula! Hey. Ah ouais, ça fait la deuxième, troisième et quatrième flamille. On se fait massacrer. Non, on s'est fait massacrer. Ouch. Je veux que de perdre connaissance, moi. Le bâton est pas super stylé. Récompense journalière. Impossible d'échanger cet objet pour l'instant. Ah, ok. Spécial. Ok. Ok. Bon, eh bien... voici, je vous présente Dwy Morden. Je ne sais pas s'il y a des émotes, je n'en sais rien. Ah, il y a la grosse flèche hein, pour me dire, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est dommage, maintenant, c'est comme le GPS dans The Division, hein, c'est... fondamentalement dommage. Bon, et on est déjà à 45 minutes de vidéo. Oh, bonjour, Gongu. Gongu. C'est pas très belle. Je ne peux m'en empêcher. Voilà, c'est le moment you touch my tralala. Ouh. Je suis désolé. Je suis désolé, je me dégoûte. Voilà, mais c'était pour voir, hein. C'est bien un MMO coréen. Désolé, désolé. On va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus sur cet instant lubrique de ma part. C'est joli, c'est très joli. C'est très 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 joli, maintenant c'est simplifié j'ai l'impression avec les flèches qui sont là, attention tu dois aller là, tu dois aller là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de recherche à faire, hein. Tout est dicté, tout est dit. Eh bien c'est pas grave, je vais vous laisser là et on se retrouvera à la prochaine fois pour un peu de gameplay, j'espère en compagnie de Mike. Ah, le monde d'Icarus regorge de familiers, domptez ceux qui vous plaisent ou collectionnez-les tous. Voilà, j'espère donc prochain gameplay en compagnie de Mike. Et j'espère à très bientôt avec Gongu. Allez, ciao à tous, on se retrouve très vite pour un gameplay, un petit peu voir ce qu'on peut faire avec... avec ce jeu Rider of Icarus. Ciao à tous !